plus de longueur sur le câble, vous voyez que le fémur cerf-volant se restabilise. Voilà, corde, pour reprendre de la longueur, regardez ça. Avec un peu de chance, il va pouvoir aller atteindre là-haut. Le 300 mètres, et je ne désespère pas de voir les autres saccadés le rejoindre. Écoutez, ça c'est vraiment très intéressant et très beau. Et sur le terrain de démonstration, en ce moment, vous avez l'équipe des pilotes de Révolution qui vous font des choses très sympathiques. Hein. Vous pouvez les applaudir très fort. Hein. Et bien sinon, le temps a l'air de s'arranger un petit peu sur Eurovoli 2016. Non. Et la 20e édition des Eurovoli, et bien c'est parce qu'on a commencé avant à Veillé Sec en 93, 94, 96, 98, 2000 et ensuite tous les ans. Et bien nous remercions les partenaires et les sponsors, principalement la ville de Villers-Nancy, la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la boulangerie bio de Rosière-et-Rosaline, les Salaisons Marion, la capsule Magnum, la radio. Donc tous ces sponsors nous permettent de vous faire découvrir gracieusement tous ces beaux cerfs-volants qu'on a pu admirer à Berck la semaine dernière et qui sont venus nous rendre visite. Et puis vous trouverez, ça connaît, vous allez au fond là et qu'on espère bien voir décoller dans quelques instants. Un petit morceau de bois, une butée. C'est quand on va arriver sur cette butée que le système se déclenchera. Ah, attention, là je crois qu'on n'est pas loin du top départ. Attention, allez! Faites attention de ne pas vous faire mal, bien sûr. Hein. Voilà, premier lâcher de bonbon, on en prépare un deuxième juste après. Hein. Donc vous restez sur le terrain. Et puis ceux qui ont des remords ou qui avaient oublié de venir, eh bien, viennent avec nous rejoindre. Nous avons des gens de Lyon, des gens de Normandie, des gens du Morbihan, des gens d'Allemagne, de Belgique qui sont venus nous joindre aujourd'hui. Nous sommes très contents d'avoir avec nous tous ces cerfs-volants.
Il y a un troisième lâché, c'est bien ça François? Il y a un troisième liché? Ah attendez, quatre lâchés. Donc on lâche à deux. Oh attendez, là vraiment.